Allez, moi ça me va. Allez, bon bah la 6, 15, 16, je télécharge et on go. Oh non bro, la normal game sur Fiddlestick là en 4-17 elle a l'air incroyable. Mais on va pas se faire qu'une normal game. Bah elle a l'air lourde. Mais en plus je la vois même pas la normal game en 4-17. C'est avec Fiddlestick en bas. Mais on peut pas, ça remonte trop loin. Faut que ce soit sur ce patch. Ah my bad. Alors celle de 37 en 6-15. Ouais. 6-15-16 exactement. Ok, je la prends. Et là on la lance. Et on la lance. Et on la lance. Par contre, faut pas qu'on fasse de pause parce que sinon on va se désynchroniser. D'accord, donc jamais de pause. Ça va être la merde. C'est parti pour les étoiles de l'e-sport. Attends, faut que je mette à jour mon titre. Ok, je mets à jour mon titre. Very fast. Alors. Change le titre, Abori, s'il te plaît. Alors, changer le titre. Z-Event. Les étoiles de l'e-sport. Étoiles. Alors, attends. De l'e-sport avec Chap. T'as lancé là? Pardon? T'as lancé? Attends, j'étais en train de mettre à jour mon titre. Dis-moi quand t'as zéro. Bronze avec Chap. Non. Est-ce que le titre a été mis à jour? On va se remettre à zéro au début, t'inquiète de toute manière. Ouais. Et toi, de l'e-sport avec Chap, voilà, let's go. Ah, celui-là, zéro, ok. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, Chap, on remet à zéro, bro? Ouais. Prêt? Ok, attends. Ok, là, je suis littéralement à zéro, et toi? Ouais. Ok, 3, pareil. 2, 1, go. Ok. Je vais cacher la barre. C'est scoreboard, non, c'est pas ça. Quelle barre, bro? La barre de time control. Pour pas me faire spoil les kills, etc. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pokachu. Ok. Nous allons donc regarder Durandul sur sa Lissandra mid lane. Avec Shadow exa. Stealer sur Nasus top lane. C'est exa. Oh, mais c'est honteux. Merci, Julien. Bro, c'est cringe. Chap, c'est cringe. Quoi? Bah, ça joue Lucian top, press the attack en bronze. C'est cringe. C'est vrai. Alors mais il joue face, pas Ignite. Il a un brave Nasus. Merci beaucoup pour les dons pour la charity. Surtout que le brave Nasus, il a bien une pointe de l'immortel qu'il pourra jamais proc. Ouais, ça c'est pas de peau. Qu'est-ce qu'on a après? On a une Vi Hail of Blade, ce qui est plutôt bien. Attends, c'est quoi ce skin, bro? Sur Vi, il est incroyable. C'est le Psy-Ops? Je sais pas. C'est le tout nouveau. Ouais, c'est le tout nouveau. Hey, il est lourd en vrai. Oui, ça va. Bon, sur Leona aussi, il est lourd. C'est Psy-Ops. Leona, par contre, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce Digimon? C'est un Transformers. Gros, c'est un Digimon. C'est vrai que c'est du grand n'importe quoi. C'est un putain de Digimon, Leona. Merci. Attends, pour les 10 euros. Qu'est-ce que j'ai là? Tac. Et en face, on a un Volibear. Il joue avec Volibear Jungle Conqueror. Qui est en train de danser Conqueror Jungle. C'est pas ce qu'on fait en général, mais pourquoi pas? C'est pas dingo, c'est vrai. Attendez, on va peut-être un peu monter le son du jeu. Putain, je me disais bien que c'était bas. Oh là, Leona qui a failli voler le red buff là. On aurait été sur un grand départ déjà. Voilà, là c'est mieux. Là, voilà. Durandul qui laisse le push, hein, il laisse la prio mid. Échappe. Ouais. T'as des trucs prévus dans ta soirée ou pas? On a la TMGL à 20h nous. Ah ok. Après je sais pas. Oui, nous sommes en train de spec une game en bronze. Les étoiles de l'e-sport. Et notre poulain, c'est le petit Durandul. Le Durandul, petit Durandul qui est en direct et qui va nous éblouir de sa performance. Après, on dit en bronze, mais c'est plutôt en fer en réalité. Oui, bah c'est. Oui, c'est. C'était bronze à l'époque, mais maintenant c'est fer quoi. Shadow Stealer qui tente le freeze au top. Ah, c'est ambitieux, hein, y a quand même une quarantaine de CS qui lui tape la gueule. Ouais, c'est peut-être pas ouf de faire ça et prendre trop la race de Lucian en early game. Voyons voir les stuffs. Ok, y'a rien qui me choque. Non, y'a rien qui me choque, c'est standard. Ouais, pour l'instant, c'est plutôt correct. J'ai juste un truc à dire, c'est que Vi a mis à peu près 3 minutes pour faire 3 camps. Un gros respect, elle aussi. GG. Oh, Vi qui arrive sur son gank. Oh, oui, pas mal. Oh, non, Vi, elle a bien géré. Mais elle a géré. Elle a bien géré. Bro, notre temps, c'est le joueur qu'on spec, là, c'est Durandul. Mais quoi Durandul. Quoi Non, il tombe flash out. Attends, Durandul, attends. Il a follow beaucoup trop tard, du coup, il la tue pas. Et derrière, il flash d'un Volibear qui était là.
Durandoul à Go Insane. Oui, c'est bien ça, j'étais pas sûr, mais oui, c'est bien ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé, Durandoul à Go Full Insane sur cette action. Ok, Durandoul. Durandoul going big. Peut-être que Durandoul va prendre son reset. Là, il est pas très bien niveau vie mana et la lane est avancée. En plus, il a plus de flash, c'est pas ouf. Oh, mais le Volibear est un macromaniaque, il est en train de mettre un double carapateur. Oh, le petit poke au E. Bon Dieu, il lui met 100 de dégâts, il l'a slow, il récupère le carapateur en même temps. Non, en vrai, il gère. C'est un smurf, hein. No troll, il gère. Il a géré la bro. Franchement, il l'a mis bien. Clairement. Là, mais au boss, là, c'est le pixel perfect, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça tente un play au bot. Le trade, la bonne exhaust, pixel perfect sur le timing. Eh, mais c'est incroyable, c'est quoi? C'est du challenger? Non, mais en vrai, le trade était bon là, no fake. Mais des deux côtés en plus, les exos c'était pixel des deux côtés. Oh, mid, c'est la bagarre avec Durandoul. Oh, bon Dieu, Durandoul, qu'est-ce qu'il Durandoul, et non, il lui manque un flash pour Durandoul. Durand, merde, tu es sérieux là? Oh, Durandoul qui pue. Durandoul qui a vraiment trollé, hein, le follow-up de gang qui merdeux. Oh, le flash in peut-être. Oh, mais de quoi tu parles? Au bot. Oh, bah oui, Léona qui est morte. Elle ne peut s'en sortir du chien. Oh là là, oh, le Jin, il a des faibles mechanics quand même. Ouais. Ouais, bon, c'était médiocre. Mais après, attends. Vision score 0. Attends, t'es en train de me dire que les deux avaient leur trinket et aucun a posé la main dans le buisson pour voir la Léona? Évidemment que non. Ah bah, ça c'est bien dommage. On perd un free kill là-dessus. Allez. Merci pour les dons de 25€. Cacher la barre des kills. Attendez. Genre, faudrait que je mette la ça. La timestamp, ça s'appelle en anglais. Voilà. Ok, là c'est caché. Eh, ça farme plutôt bien. Alors, on va faire un petit tab. Les farmings ne sont pas bons, mais pas choquants. Bon, on est quand même sur une moyenne plutôt haute, je dirais. Parce que, en général, à cet elo là, bah c'est oh la chance. Oh mon dieu, bro, la TP du Nasus. Je regarde le trade au bot, moi. Allez, Pokachu. Ouais, mais c'était pour voir les stuff, les gens, j'ai pas le choix. Oh, Pokachu. Attends. Ah, si il cliquait mieux, il l'avait là. Mais Chap, quand je tab, on voit quand même la barre des actions et je peux rien y faire, non? Si, tu peux. Comment je fais? En bas à gauche, tu cliques sur l'œil. Tu appuies sur scoreboard et tu retires timestamp. Oh, mid. Oh, Durandoul. Oh, le bon ulti de Durandoul. Oh, mais par contre, faut pas utiliser ce spell comme ça. Timestep? Un truc qui s'appelle timestep. Où le timestep, bro? Y'a pas time step, ça s'appelle time, comment? Time control. Ah, mais moi je savais pas, moi je spec jamais les gens. Ok, on va remettre comme c'était. Du coup, on remet ça. Le gang commid? C'était genre là. Ouais, attends, Chap. Là, je suis en train de refaire ma scène. Pourquoi il va pas? Alors, oh, yai, voilà. Yai. Et voilà. Non, merde. Ok, c'est bon, on peut s'y mettre. Chap, t'es à combien? T'es à 6 minutes combien? Oh, le gank mid 6 minutes 39. T'as ok, c'est bon, on est pareil. Yeah. On est exactement en même temps. Le gank mid qui est passé. En même temps, Vile plus Lissandra contre une Ari qui a pas son ulti. Attends, elle était niveau 5 ou elle avait pas son non, ulti? Non, elle était 6, elle a utilisé son ulti. Oh, le play au bot. En vrai, oh bon Dieu, regarde, chap, le stuff du Lucien, s'il te plaît. Oh là là, le Lucien criteux. Bro, le stuff du Lucien là avec les crit, il go very hard. Le Lucien criteux. C'est scoreboard? Ouais, voilà, les scoreboards tout le temps affichés, c'est mieux, je trouve. Scoreboard, paf, voilà, comme ça, c'est parfait. Est-ce que je cache des items? Ça va, non, oh. ça va, c'est fine. Regarde le trio, regarde le trio. Il a pas assez de mana, il peut pas. Sa buveuse a fait encore peur, il a pas assez de mana, il ne peut pas. Oh, la rotation bot. Durandoul. Durandoul avec la rotation qui s'est pris la cage. Oh là là, non. Oh non, mais c'est le Black Shields. Oh, ça passe. Allez, en moins que tu spell. Oh la disaster flash. Oh le voli et la Morgana qui ne meurt même pas. Oh la rotation de Harry. Boum. Oh là 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 là. Ça ne fut pas très bien joué, il faut le dire quand même.
Larry qui arrive en retard et qui joue mal, mais bon, Durandoul a mal joué également. Après, il récupère une assise sur Jean, du coup ça va. Oh, Harry Harry qui s'en est battu les couilles. Harry qui a tué les jambons du voli. Oh, le volibert. Oh l'ours. Oh là là. Oh, mais c'est merdeux. Oh non, mais c'est merdeux. Oh, ça pue. Allez, mais juste un ignite, Harry, s'il te plaît. Oh, ça... Non. Harry, ah, quand même. Oh oui. Elle peut tuer les trois. Elle a l'ignite. Oui, elle a l'ignite. Voilà, le cancel de back. Voilà, et en plus les petits gars sont... Oh là là. Mais pourquoi Harry, elle a pas passé de son bisou. Voilà. Mais allez. Ok. Voilà. Ok. Par contre, pour l'instant, c'était... la Lissandra qui prend une plaque. Peut-être même une autre. Volibert qui se dirige vers Lissandra. Oh non, mais pourquoi ça? Allez, Durandoul. Oh, t'aurais pu turn Durandoul, je pense. Ah, faut pas appuyer sur tab, Durandoul, en fait. D'accord, faut pas appuyer sur tab. Mais j'ai le réflexe d'appuyer sur tab. Ok, on va retirer la main du clavier. Pour pas faire de réflexe. Ok. Oh mon dieu. Oui, c'est une review de G2 versus Genji, en effet, oui. Et effectivement. Merci beaucoup pour tous les dons pour la charity. Oh, la cage! Le bisou! Ah non, elle a pas de mana. Ah, dommage, c'était Harry qui avait du mana. Oh, bordel! Oh non, il s'est fait voler Carapateur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, le trade au top. En vrai, Nasus, il a rush les Mercures! Pourquoi il rush les Mercures? Bro, le nombre de fois où j'ai vu des bronzes de merde rush les Mercures dans des match-up AD ou des team AD, je n'ai jamais compris. Je comprends pas. Bro, je te jure, à Bailo, il y a une obsession. Pour le rush Mercure. J'aime trop ça. Mais vraiment, ils sont obsédés par ça. Ah, il a du mal au farm au top, mais c'est normal, hein. Match-up melee contre range. Match-up melee contre range et Nasus et rush Mercure, putain de merde. Ah, pour l'instant, Durandoul, bon voilà, il a pas volé son iron. Hein. Ouais, c'était parce que c'est le stuff conseillé en vrai, no fake. Ah, ouais, j'avoue. C'est parce que c'est le stuff conseillé. Il est en train de follow le build de base. Ah, c'est probablement ça, hein. Bah, c'est la seule explication, parce que là, ça a aucun sens. Mais Nasus, il fait régulièrement des pauses dans son gameplay aussi, je sais pas si t'as vu. Oh, bon non, dieu, ça sent mauvais, cette histoire. Pause Facebook, là. Attends, c'est quoi, ça? Mais c'est okay. Quoi, ça? Lord Dane, on l'a eu. Oh, le Lucien. Oh, le Lucien, putain de merde. Oh, le Lucien, il a côté de hard. Oh, le Lucien, il a go en gros. Oh, en mode. Ratatatatata. Wakana, la cage. Ok. Oh, bon okay, dieu, Lucien, qui met le crit. Le critique qui est appliqué de ce Lucien. Oh là, c'est dommage pour Durandoul. Ah, la game de Durandoul. Oh, j'ai appuyé sur table, mais j'ai trop le réflexe. La game de Durandoul qui commence durement. Ah, la cage était pas loin. Hein. Harry qui est bien dans sa partie et quel miracle c'est vu la merde que c'est. Elle est en 4-1-1. Durandoul soit davantage puant. Bon, je trouve qu'en early c'était pas trop flagrant. Mais là on voit la game qui avance un peu, chape. Et clairement les farms sont merdeux. Oui. Là y'a pas un farm qui est bon, c'est merdeux de partout. Attends. Oh bon dieu. Oh, l'ulti de fou malade. Boum. Non. Oh non. Mais il a peur de quoi, Jin? En plus, il y a toute cette team pour l'aider. Ok. Non. Morgana, Durandal. Mais quel outplay massif. Durandal, il n'a besoin de rien faire, regardez. Oh non, mais Jin est une merde. Non, mec, mais bro, je te jure. Le passif. T'as vu le passif de Lissandra? Ah, il a fait trop mal, mais bro, Jin. Je l'ai suivi des yeux pendant une minute à la suite. C'est une merde. Mais vraiment, c'est une merde merdeuse. Il n'a aucun respect pour son équipe. C'est affreux ce qu'il propose. C'est du foutage de gueule à ce stade. Oh, je vais en profiter pour faire ma pause manger après les étoiles de l'espoir. Après les étoiles de l'espoir, on n'a plus rien, bro, on est d'accord? Ouais. Ok. Attendez, je fais rapidement à la table, les gars. Pour prendre ma commande auprès de Pokafast. Comme ça, je la fin de la game sera parfait. 17 ce soir, ravi qu'ils soient partis sur de l'armure. Frérot.
Tomka. Oh, les dégâts de Larry. Tellement mal. Bagel, Poulet et Perrier par pitié, monsieur. Oh, le trade au bot. Ok, ok, je reprends. Il est mort là. Oh bon dieu. Larry qui se fait traîner le slow qui va proc. Oh le volley. Il peut. Oui. Regarde le stuff du volley, comment il court vite. Il a go hit MAD aussi. Attends, il faut que je le remercie quand même, sinon c'est pas correct. Merci beaucoup. Regarde top, okay, voilà, c'est ça le stuff pour eux ça. Le Volibear qui est sur son stuff de L9 Volibear. L9 Obsess Volibear sur son Volibear Jungle. Oh non, j'ai encore Perma aggro. Vas-y Crisis. Attends, mais c'est un kill ça. Oh, Durandul. Durandul. Oh, allez. Oh non. Oh, les clics non. De Durandul, c'est une catastrophe. C'est merdeux. La tour en bot qui a été récupérée. Jin qui a son corps build. Okay. Oh là, il y a Morgana qui a déjà son. Regarde, ça trappe. Ça trappe bot. Chape, regarde bot. Je regarde bot. C'est le trap là sur le Jin qui est engagé. Le Black Shield qui carry. Oh, le Black Shield qui va. Oh. Attends, mais c'est pissé. Eh, hey, Pokachu, il est trop chaud par contre. Mais nos trolls, la Kaisa est pas horrible. Bah, franchement, oui, mais. Quand même, il pue un peu. Oui, et Nasus qui n'a toujours pas 1% de CDR à 15 minutes. Il est à 130 de buveuse. Il pose Hérald. Il a posé Hérald, regarde-le. Il pose Hérald. Il essaie de se faufiler dans les buissons. Il est en mode, il m'a pas vu. Vas-y, allez le Hérald. Il avance. Oh, au bot. Il avance avec l'Hérald. Il bot, essaie de faire avancer l'Hérald. Regarde ça. Il est en mode, Lucien m'a pas vu. Il faut repousser ce Lucien pour qu'il fasse prendre l'Hérald. Oh, mais il a plus de mana, il peut même plus stacker! Mais quelle idée de Rush Bramble! Lucian, par chance, il va peut-être prendre une auto-attaque dans l'œil de l'Hérald, tu vas voir. Durandul! Oh, Durandul! Oh, Durandul going really hard! Oh mon dieu! Il a bloqué, c'était bien, oh, c'est ça? Oh là là! Non, il a. Mec! Oh, je te jure! Ouais? Il a flashé, il a rien fait pendant genre 2 secondes, et après il s'est réactivé, genre. Et il a fait n'importe quoi, et il est mort misérablement. Il s'est réactivé, il est redevenu vivant. Oh, Durandul, oh là là. Oh, c'est un macabé. Chap, je te propose un truc. Chap. Ouais, ouais. Vu qu'on n'a pas fait la bronzette, vu qu'au final on le fait une game avec Sardoche, ça te dit on fait la bronzette après que je mange, et après ton truc Trackmania? Ouais, mais nous on a un guest Milo à faire aussi, je sais pas quand est-ce qu'on aura fini. Ah, tant pis. Je ne peux pas t'assurer. D'accord, okay. D'accord, t'inquiète, j'ai compris. Y'a pas de problème. Oh, j'avais promis des wingman avec Sardoche aussi. Ok. Attends, faut que je commence. Tu rends compte, Chap? Ah, il a l'air d'être occupé. Ça ouais. Se lance et regarde qui tryhard. Ouais, les wingman avec Sard. Ah, tu fais, ok. Ouais, on a fait des wingman avec Sard tout à l'heure. Mais il faisait que se plaindre qu'il ne connaissait pas la map et qu'il laguait. Ah. Il criait beaucoup, il était très salé. Je pense qu'il n'a pas compris le principe des wingman. Sard, t'es là, bro? T'es là, j'essaie de la tirer avec des mouvements, mais. Oh là 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 là, les dégâts de la vaille! Oh la vaille! Elle se lève focus! Je bouge les bras, mais il ne réagit pas. Merci beaucoup pour les dons! Pour les dons, pour la charité! Et merci beaucoup pour les primes également! Allez, ah ouais, ouais, il doit faire ses sur le cul là! Oh là là, j'ai demandé à manger. Oh, Shadow Stealer, mais non, mais oh non, mais non, le tuning! Par pitié, Shadow Non, mais Shadow Stealer, je t'assure que son Asus va être irrelevant toute la partie. Bro, pas de CDR, pas de mana, pas de stack. Il pue, il est irrelevant. T'inquiète pas que Durandul, il est en 3-5-7, mais c'est vraiment une escroquerie. Hein. Heureusement qu'il a un passif qui fait le taf pour lui. Hein. Après, je pense vraiment que Harry est une bien plus grosse escroquerie. Non, mec, je te jure que Harry est largement meilleur que Durandul. Ah ouais? Durandul ah plus oui, à ce point sûr, oui, oui. Oh, loot trade. Oh, bon dieu. Pokachu. Pokachu. Oh, oh, il le réalise. Oh non, Durandul qui meurt avec son ulti. Durandul qui a été merdeux. Once again. Durandul le merdeux, on l'appelle. Félix the Poupou, la grande Emielda. Harry qui donne tout pour avoir le kill. Oh les dégâts!
Mec, par contre, elle a trop smurf la, la Morgana. Mon dieu, oh le kill en backline, le kill de Jhin. Jhin qui l'a tué. Et vraiment, je le répète, mais je trouve le skin de Vi vraiment super cool. C'est quoi, c'est le Psy-Ops? Ok. Vi, elle est en perma 1v9, hein. Elle n'est pas de cette Attends, Chav, ça fait déjà 18 minutes qu'on regarde la game. Oui, oui, c'est bien ça. Le temps passe trop vite. Écoute, oui. Oh, du randoule. Du randoule. Qu'est-ce qu'il nous fait le Nasus là? Oh mon dieu, il a activé son ulti sitôt. Du randoule. Non. Non, Nasus. Nasus qui voulait steal la vie du Lucian. Du Jhin, pardon. Mais qui Nasus meurt. Tirer les bêtes, comme on l'appelle. C'est une merde. Bah, c'est une merde. Enfin, là, notre rôle, je vois pas comment le dire autrement. Nasus va être irrelevant toute la partie. Son stuff pue, il joue mal le et trap. Il ne stack pas. Le trap. Peut-être que si la game dure 50 minutes, il pourra devenir relevant. Pokachu. Ah, il a pas d'ultimate, malheureusement. Oh, bon dieu. Ils savent quand même quand est-ce qu'il faut fight et quand est-ce qu'il faut pas fight, hein. On dirait pas du Iron. Pour le temps, c'est du Iron 4. Frérot. C'est... Enfin... C'est grave un peu, non? C'est sad, quoi. Enfin... Enfin, y'a rien à dire, c'est juste triste. C'est juste triste. C'est sad, en fait, enfin... Enfin... C'est juste triste que je vois là, en fait. Oh mon dieu, fin, du randoule. Sad, ADN, fin, sad, ADN, fin, fin, sad. ADN, wouf, 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 wouf. Fin, sad, bark, bark, fou, wouf. Fin, c'est sad. Mais en fait, tu es une merde. Fin... Wouf, 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 wouf. Oh là, Léola qui s'en sort. Oh, 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 oh. Les dégâts bruts du Q de Harry. Oh, les mécaniques de Pokachu. Oh, lui, t'es vrai. No joke, c'est un smurf Pokachu. C'est pas possible autrement, gros. Il témoigne trop bien. Non, mais no troll. Enfin, c'est pas un mec de Stello. Mais c'est pas possible, mais pourtant il pue la merde. Mais c'est trop bizarre. Il est bon, mais il pue. Comment expliquer ça? Mais il y en a beaucoup à Stello, j'arrive pas trop à comprendre. Ils sont bons, mais ils puent. Et c'est trop bizarre. Mais tu vois, Shadow Stealer, par contre, il pue bien plus que les autres. Ouais, Shadow Stealer, lui, il y a pas d'entourloupe, il pue. Genre, il pue. Y a pas de déo, de parfum, non, il pue, il sent l'odeur qui pue. Il est là, il sent mauvais. Oh, il a complété sa turn mail. Oh, quelle horreur. En fait, c'est marrant, c'est comme si ils avaient des bases, tu vois, qui sont poussées. Enfin non, ils ont des aspects du jeu qui sont poussés, tu vois. Mais à côté, il manque plein de bases. Tu vois ce que je veux te dire? Wouah, la vaille! En vrai, la vaille lui a explosé la gueule. Hein. Elle a bien joué, mais tu vois ce que je veux dire, Chap? Ouais, non, mais oui! C'est comme si. Il y avait des aspects qui étaient connus et approfondis, et il y avait d'autres aspects où il y avait littéralement rien. C'était le néant. C'est comme si un mec au foot était trop fort en retourné acrobatique, mais trop nul au pass, genre. Ouais, le foot. Avec le ballon, là. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, Shadow Stealer. Stack moi cette merde, garçon. Allez, oh, Shadow qui a 180 stack. Oh, mais bien sûr qu'il peut faire un truc du randoule. Oh, ok, il a trop bien. Plus 12. Plus 12. Il a trop bien setup en vrai. Plus 12 pour le Nasu. Du randoule, le crack. Salut, Julien. Je dirais que Julien était l'un des leurs. Un des quoi? Des leurs. Des leurs de qui? De du randoule. C'est un appartenant à cet élo en vrai. Julien D4, un truc comme ça. Julien est une merde à ce point, tu penses? Bon, il est D4 quoi. Parce que moi j'ai vu Julien jouer et il est merdeux. Mais est-ce qu'il est si merdeux que ça? Est-ce que ça, ce serait le genre de mec à faire tant de mail rush sur Nasus? Je pense pas quand même. Et puis bon, 20 minutes, même pas 200 stacks, faut grandir un peu. Oh, Nascarton, on the flank. Oh, il était sur une pique, il l'a même pas vu. Et dans ce carton qui tourne. Attends, mais pourquoi Volibear n'a pas 1 gramme d'HP à 23 minutes? Bah parce qu'il est agressif. C'est le endgame. Ah my bad. Je savais pas qu'il était agressif. Oh mais les Black Shield, incroyable. Oh là 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 là. Mais la bonne game adverse. Il a de l'armure.
Joyeux anniversaire, les bronzes de merde. Joyeux anniversaire. Ouais, Lucien, il est mort, les bronzes de merde. En vrai, bro, Vaille, elle tue tout le monde. Vaille, elle est là, elle tue tout le monde. Je veux qu'elle avait 9 ans. Mais là, j'ai analysé. Et les deux top laners. Oh, mais le reset d'auto-attaque, oh non, c'est quoi, mais la dernière auto, t'es une merde. Tu pues, Vaille. Alors, je vais t'expliquer. Les deux top laners sont irrelevant. Les deux jungle carry. Les deux mid sont des escroqueries. Jin pue. Kai'Sa est forte. Leona pue. Leona est forte. Moi, je trouve vraiment que Durandul est genre particulièrement nul. Moi, je pense que Jin pue. Moi, je pense qu'il y a AD diff, mais que dans l'autre équipe, il y a sub diff, tu vois. Ah ouais. Genre, ils ont le meilleur AD, mais en face, il y a le meilleur support. Ah non, en fait, le pire joueur de la game, ça reste quand même le Nasus. Mais je pense que Durandul est quand même dans le top 2. Ah ouais, j'ai dit Leona deux fois, mais je voulais dire, ouais, vous avez compris. Durandul qui go hard. Durandul. Oh, regarde, gros, il met pas. Romy, regarde cette ours. Bon, Durandul. Le R. Oh, le R, complètement clutch. Oh mon dieu, il attend le dernier moment. Il attend le moment opportun. Oh, allez. Oh mon dieu, Vaille. Vaille en V9. Vaille en V9 une fois de plus. Vaille en V9. Vaille pu. Vaille pu. Vaille pu. Vaille pu en fait. Vaille pu. Ok, le Jin commence à récupérer des kills. C'est gros critique en teamfight carry. Et allez, en vrai, Pokachu, bordel. Notre rôle, je pense que Jin, c'est un excellent AD carry du bronze, parce que juste quelques auto-attaques suffisent, tu vois. Ouais, ouais. Juste deux auto dans le fight, et il fait le taf. Alors que Kai'Sa doit hit and run, DPS, mettre plein d'auto, faire prank ses marques. Alors que Jin, il est là, il pend. Non mais, enfin, Durandul est honteux. Hein. Bah, Durandul est merdeux. C'est vrai qu'il a 10 morts à Lissandra, Zhonya à 25 minutes, c'est vraiment beaucoup. Non mais dans ses clics tu le vois, il doit jouer au pad. Notre jeu, je pense qu'il joue au pad. Tu penses qu'il y a vraiment des gens qui... Enfin, oui bien sûr il y en a, mais tu le dis souvent. Mais est-ce que... NON. Mais j'ai eu la caméra sur Nasus. Il a réussi à louper un canon last hit Q. Il a loupé 12 stacks à 26 minutes de jeu à Nasus. Oh là là, le flash. Non mais il Chano pue, il est merdeux. Oh l'ulti. Non mais il refuse de stacker, bro. Même en 1v0, il n'arrive pas à stacker. Il va être irrelevant toute la game. C'est triste. C'est sad en fait, c'est sad. Non mais pour le coup, c'est réellement triste. C'est une merde. Durandul qui pue. Durandul. Oh, il s'est slay. Oh bon dieu, le volley qui go supra hard. Un phage, non. Oh. Oh, non mais là Vaille a atteint le stade où elle meurt dès qu'elle go in. C'est le problème des jungle, oui. C'est le problème de Vaille, c'est que là, elle a atteint le stade où elle go in, elle meurt et elle tue personne. Là c'est vrai que là ça me semble compromis, hein. Je vais pas vous mentir que dans une équipe bah, on est 4 et dans une équipe bah, on est 3 en fait. Oh bon dieu, la cage peut-être. Oh là y'a un truc, là faut punir la Leona. Mais cette Leona est bien trop tanky, ah bah non. Azeroth en frontline, Pokachu qui tape. Oh Pokachu. Mais regarde ce Nasus, regarde ça. Irrelevant, il ne fait rien. Il n'est pas relevant. Mais il n'existe pas. Réellement, Nasus n'existe pas. Même contre les creeps, il n'existe pas. Oh Pokachu. Oh bon Pokachu. Dieu, le volley qui, lorsqu'il est en dessous de 50% HP, a le bout du rouleau qui proc. Plus son Z, il le régène plus, il y a pas d'histoire comme ça. C'est insane. Ouais, il y a le Z et il y a le Conquérant également. Ah oui, c'est de la Missing Elf. C'est vraiment Vi et Kai'Sa contre Voli et Morgana cette partie. Ouais. Ouais, en vrai, c'est ça. Vi et Kai'Sa contre Voli et Morgana, je suis assez d'accord avec ça. Oh, mais Durandul. Mais le problème, c'est que Nasus est vraiment trop irrelevant. T'as pas vu le flash de Durandul? Non. De flash pour rien entre deux CS, mais Durandul. Oh là 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 là. Il est là, il guard. Il a flash rien du tout, genre même pas la comète. Bordel, il y a des hurlements. Oui, parce que ça joue à des jeux dehors derrière moi.
Non, Durandoul, bon là, c'est dur là. Même pour un Iron 4, c'est difficilement excusable. Mais Voli, il déteste les HP. En fait, il s'est dit que vu qu'il rushait le bout du rouleau. Non mais regarde, vu qu'il s'est dit qu'il rushait le bout du rouleau, il s'est dit il faut que je sois en dessous de 50% HP le plus vite possible. Du coup, il se dit il ne faut surtout pas acheter d'HP ou de tankiness. Comme ça, il tombe en dessous de 50% HP et il se heal avec le bout du rouleau. Oh, le fight de Durandoul, le Bronzonia, il est trop malin en fait, c'est du theory crafting. Regarde là, du coup, il se heal et bah il meurt. Parce qu'il s'est fait burst. Oh, Pikachu! Oh non, oh, non, la Kaisa qui guard! Elle peut! Oh là là là, elle est tombée. En vrai, je la voyais tenir plus longtemps que ça, la Kaisa no fake. Oh là là, et tout le monde meurt! Et la Leona qui tombe! Et c'est la Leona qui tombe! Non mais bro, quand la Kaisa tombe, y'a plus grand monde. Hein. Là, y'a rien! En... Event, mais là, elle l'est plus trop. Et Nasus. Ah, oh Nasus, qu'est-ce qui pue? C'est Nasus. On va pas épiloguer sur son sujet, mais c'est vrai qu'il est, plus là, il est flairant. Enfin, respecte-toi, frérot. Franchement, là, le Nasus, à son stade, il devrait réellement claquer son ulti dans des vagues de creep. Juste pour avoir plus de CD sur son Q. Enfin, moins de CD, du coup. Et stacker. Il devrait stacker à coup d'ulti Q dans les creeps. Mais genre, regarde, là, fake, prends pas le CS. Là, non, mais. Il va louper. Oh, il a loupé. C'est dur à voir. C'est dur. En plus, il a un skin pour son perso. Il aime le jouer. Il le joue régulièrement. Il a un skin, bordel. Oh, je suis douloureux là, en fait. Faut qu'il prenne des stacks. J'en peux plus. Oh, y a la soul. Ah, au moins les bronzes sont au courant que la soul existe, quoi. Au moins. Ok. Oh, c'est un oscillateur. Oh mon dieu, Nasus a ulti. Oh là là. Mais pourquoi il ulti toujours en engage? Et voilà, il se fait go, il a déjà perdu la moitié de son ulti. Mais il pue. Et il rush full tank pour même pas être tanky. Allez, Pikachu, on te regarde. Mec, bro, la Kaisa tue tout le monde. Regarde. Attends, la Kaisa, elle tue. Oh la mort, frère, elle fait trop mal. Oh la mort, elle casse des gueules en fait. Mais elle a trop d'AP. Elle a trop d'AP. Mec, mais il m'a dit Shadow Stealer, il était pas si nul. Elle a 3 items AP. Et elle a des bons items AP en plus. Elle a AP Néantil, Liandril, Zonia. En vrai, elle est tanky. Hein. Elle fait pas que extrêmement mal, elle est extrêmement tanky aussi. Regarde ça. Ouais. Elle a 2500 HP limite. Elle est en 14-5. Elle counter jungle. En vrai, je pense qu'elle aurait pu solo le Drake avec le red buff, les auto-attaques. Red buff, auto-attaque et la flag. Je pense qu'elle pouvait solo le Drake. Allez, Shadow Stealer, je t'en supplie, la site. De grâce. Prends le gros, Shadow Stealer. Il l'a eu ou pas? Oh, je crois qu'il l'a pas eu. Chab, j'ai même pas envie de te répondre. Chab, je vais pas te mentir, j'ai pas envie de te répondre. On l'a coupé de Shadow Stealer. C'est que cette merde. Non mais c'est trop une merde. Non mais il se fout de la gueule du monde. Il se moque du monde. Shadow Stealer est une merde. Attends, mais ils ont l'âme infernale. En vrai, j'étais en train de me dire que Kaisa pouvait carry. Mais âme infernale, frérot. Âme infernale. Surtout dans des fights comme ça où il n'y a pas de bras, où ça se met des autos dans tous les sens. Comment tu veux gagner contre une âme infernale? Non mais Shadow Stealer, mais je n'ai pas les mots en fait. Non mais l'âme infernale, c'est juste un truc de fou furieux. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Oh, le stuff de Lucian, ça me casse les couilles aussi. Y'a rien qui va. Mais y'a rien qui synergise. Tiens, je vais faire des crits et partir sur de l'armor pen. Petite BRK. Petite BRK, on l'a fait à genre 33 minutes de jeu. Surtout pas la rush. On voudrait surtout pas la rush cette BRK. Ok. Non mais je pense que Shadow Stealer est en train de jouer à Wild Rift. Et qu'ils se sont confondus avec les serveurs et ils jouent sur le serveur League of Legends. Je sais même pas c'est quoi Wild Rift, c'est quoi? Wild Rift, c'est League of Legends sur mobile. Ah oui, moi j'y avais joué en plus pour les 10 ans de Riot. Oui, moi aussi j'avais joué. Attends, c'était les 10 ans de Riot ou les 10 ans de LoL, je sais plus. De LoL. De LoL, ouais. Boum. Allez, vaille.
te laisse pas faire. Dieu. Si t'as un sale troll dans ton équipe, te laisse pas faire. Oh bon Dieu, Biden tout. Non mais regarde, regarde cette âme infernale. Regarde cette âme infernale, ils se font péter la gueule. Oh là là, et Durandoul qui fait 5-13 et qui n'est même pas le meilleur joueur de la game. Merci Nasus pour les 2€. Mais là ils finissent. Attends, non, non ils finissent pas. Ils finissent pas, ils vont counter le bleu. Il y a eu un ping au bleu. Ils se sont dit non, 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 non. Là, là faut faire le bleu. Là faut pas finir. Il faut attendre Morgana, c'est quand même le carry de l'équipe. En vrai Morgana, tu rigoles mais c'est réellement le carry de l'équipe. Joke, oui. C'est grandement le carry de cette équipe. Ah bah voilà, Nasus qui part enfin sur sa Triforce. Mais comment ils ont autant de stuff? J'ai l'impression qu'ils ont tous pas de farm mais ils ont trop de stuff. Mais mec, ils ont rien le nombre de kills. C'est vrai qu'il y a trop de kills et trop d'assists. Ils se pètent la gueule à H24. Parce que Jin, il pue. Il est là, il pue, il est niveau 15 et il est full stuff. Il a 4 items et demi. Regarde ça, il a 100% de crit. Il doit mettre des gifles là. Je pense que Nasus aura sa trinité autour de... putain de claques, hein. Bro, Nasus il aura sa trinité autour de 55 minutes je pense. Ouais, oui. Regarde ça, Nasus. Il commence par assurer son pool d'armure, puis son pool de RM, et après il commence à penser à pool de dégâts HP. Il prend son temps. C'est malin. Il y a le baron nageur qui va être fait sans conteste là. Oh là 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 là. Bon, en vrai, Kai'Sa a trop de stuff aussi. Hein. Elle fait peur. La Death Dance. Attends, mais ils l'ont fait tellement vite. Oh, et là, il y a Harry qui engage. Oh, Dieu, le bisou. Oh, le bisou qui a touché. Harry qui est arrivé sur sa Lissandra et qui a fait... Oh, la le bisou qui a touché Durandoulz. Oh, mon Dieu. Nasus. Nasus Lirileven, comme on l'appelle. Allez, va, il a un V9. Oh, vas-y, va, il a un V9, là. Il faut go. Bien sûr qu'il faut go, il est tout seul. Tu penses qu'ils finissent? En vrai, il y a Kai'Sa, hein. Kai'Sa, elle fait peur un peu. Ah, si pour les 10€. Allez, on push le top. Ok. Oh, les gifles. Oh, les gifles. Bro, le Jin, il met des patates. Get ça, get ça, get ça. Et encore, là, il y avait la Death Dance qui absorbait 10% des dégâts. C'est ça, c'est 10 pour les ranges. Ouais, 10. 10 pour les ranges, 15 c'était un melee. Et le pire, c'est qu'il a 3 drakes de feu en plus de ça, en plus d'avoir la soul. Attends, il y a marqué 10, mais il y a marqué genre 10 pour tout le monde. C'est 15 si t'es un melee. 30 les melee. 30 les melee. Ouais, c'est insane, hein. Et c'est que 10 les ranges. Ouais. Au début, c'était 20, je crois. Ok, ça a été nerf, parce que sur les drills, c'était... Enfin, sur tout le monde, en fait, c'était tout le temps fait. C'est quoi cette honte? Wouah! Oh mon trop dieu! Oh! Qu'est-ce qu'il fait Volibear? Bah ils vont finir sans lui en fait! Ah mais Vi est AFK! Non non non! Elle attendait pour son item! Elle attendait pour l'égide! Allez Vi, te laisse ma faire! Oh bon dieu les claques qu'il met! Oh non Vi qui va tomber! Et du Randall Kazonia! Oh! Oh! Tu Randoule! Mais quoi? Oh Lucian! Bro. Lucian! Bro, j'ai analysé les derniers teamfights de la, comment elle s'appelle, de la Kai'Sa, et elle pue. C'est vrai. C'était une arnaque. On s'est fait avoir. Je veux regarder le dernier teamfight. On s'est fait avoir parce que son perso a l'air skillé avec les invisibilités et tout, mais bro, je t'assure qu'elle pue. Alors, voyons voir ce Kai'Sa. Le nombre d'auto-attaques qu'elle n'a pas mis sur le Jin alors qu'elle aurait pu le tuer, le Q dans le vide, non, non. Enfin, c'est bien son Q ou son projectile, là? Non, c'est le Z. Ouais, bref. Ah ouais, non, non, elle a pué. Elle a pué, frérot. Attends, je vais regarder le fight de Nasus. Ah merde. Attends. Je relance la game, attends-moi. J'ai le droit de regarder, là. Attends-moi. Qu'est-ce que tu comprends pas dans attends-moi? Chap, tu m'attends? Oh, le fight. Chap, t'es un salaud. Dis-moi, je veux revoir. On commence où? On met où? Bah, au dernier fight, quoi. Mais à 36 minutes, ok. 36 minutes 36 minutes 5. Vas-y. Dis-moi, 36 goût. Minutes 5. Ouais, dis-moi, go. Ok, go. Ok. Attends, mais Vi, elle va pas commencer son fight en étant quand même.
Non, non, elle reset, elle AFK à la base, je t'avais dit. Ah ouais, ok, 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 ok. La patate de Jean qui court à toute berzingue. Oh, y'a Manowiture qui est là. Il a dit dans 5 minutes, il y a 5 minutes, le timing va être parfait. Non, okay. Général, quand il y a 5 minutes, langage complètement raté de Leona. Le going de la Vaille qui a décidé d'auto-décrip. En vrai, la faille, la Vaille a fait un faille qui pue, mais pas trop puant. Et là, regarde la Kaisa. Regarde ça. Regarde ça. Pourquoi l'arrêter de taper? Regarde Nasus, regarde Nasus. Il est là, il est là. Pute la gueule là. Oh, il lui a bien mis un script. Oh, attends, je veux juste regarder combien de ça qu'il avait à la fin. 237 en 36 minutes. Bah, c'est pas trop mal. Il en avait combien, bro? 237. Tu sais qu'avec le nouveau Nasus, ah ça tu le sais en plus, oui t'as joué Nasus. Tu sais qu'avec le nouveau Nasus, tu peux légit avoir 1000 stacks autour de 25 minutes. Hein. Ah oui, bah je sais, je le joue. Avec pas, les plus 12 dans la jungle, tous les camps jungle, les canons qui font plus 12, les canons qui pop beaucoup plus que les saisons précédentes, tu vois. Ouais. Je sais plus quand ils ont fait le changement pour les canons, mais il y a eu un grand changement pour les canons, je sais plus trop quand. Et bref, tout s'accumuler, bro, Nasus, tu peux vraiment avoir 1000 stacks à 25 minutes si t'as pas une game horrible. Et là, il finit avec 200. Ah là, il a pué, quoi, on peut le dire. Hein. Bah, il est là, il a flairé les étrons, hein, clairement. Bah, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et bah, écoute, Chap, moi, je vais te laisser, ça va être l'heure pour moi d'aller manger. Et Bah, pareil. Viens, on mange en tête-à-tête, Bébou. Ah non, mais non, je vais pas manger, je dis pareil pour te laisser, parce que moi, faut que je prépare la TMGL, là. Et dans ton cul, connard. Oh, ça va pas, t'es fou là, t'es sérieux? T'es sérieux, frérot? Ouais. Et là, tu me dis ça sans aucune raison, t'es pas bien, toi? T'es pas bien. T'es pas bien, frérot, t'es pas bien. C'est quoi ça? Paron, toi? T'es malade. Et ça tourne pas rond pour toi? Ça tourne pas rond, mon couillon. Et mon connard. Bon. Non, ça part pas sur du CSGO avec Sardoche, là ça part manger. Et après je reviendrai et on verra ce que...